Nous sommes Hui Monogonhui. Nous sommes Hui Monogonhui. Jules Koundé sera au Bénin dans quelques heures, à 13h, exactement dans 2h30. Alors je m'enregistre sur cette vidéo. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez, bien sûr, du plaisir sur la chaîne ici. Nous décortiquons l'actualité du football béninois à travers nos news. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a le condensé. Plusieurs formats, vous voyez, on utilise plusieurs formats sur la chaîne ici. Donc vous avez intérêt à vous abonner chap-chap rapidement et vous allez choisir votre format. L'international béninois, l'international bon, franco-béninois et tout ce que vous voulez. Du FC Barcelone est annoncé, bien sûr, à Cotonou. Et selon, bien sûr, les informations, Jules Koundé foulera la terre, bien sûr, de ses aïeux ce lundi 25 décembre 2023 aux environs, bien sûr, de 13h00. Et vous voyez, quand il sera là, vous aurez les images, vous aurez tout ici. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, c'est le moment de le faire, histoire d'avoir l'exclusivité concernant, bien sûr, Jules Koundé. Jules Koundé, bon, il n'a pas choisi jouer pour le Bénin et ça a énervé beaucoup de Béninois. Les gens ont commencé par le lapider et tout. Même quand on partage des vidéos sur Jules Koundé, quand on partage des sujets sur Jules Koundé sur notre chaîne, les gens le lapident. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il fait là-bas, mais pourquoi il n'a pas choisi le Bénin et tout, vous voyez, chacun a ses choix, les contestes et tout, les, Cédric Houtondji et autres, ils ont choisi le Bénin. Jules Koundé, il est libre de choisir où il veut et il évolue aussi en sélection française et au FC Barcelone. C'est un Béninois de sang. C'est le sang béninois qui coule, bien sûr, dans ses veines. Et il a jugé nécessaire, bien sûr, de rejoindre, de visiter, bien sûr, la terre de ses aïeux. On a vu Kylian Mbappé de l'autre côté du Cameroun. Kylian a visité, bien sûr, le Cameroun et tout et tout. Jules Koundé qui est, bien sûr, tagué, bien sûr, de stylé, le mec le plus stylé. Et il est toujours stylé, je vous en prie. Ouais, Jules Koundé, je vais vous regarder, regardez l'intégralité de l'image. Regardez la photo, regardez le sac Jules Koundé. Et ouais, le mec, je ne comprends même pas pourquoi il s'habille très bien comme ça. Et en matière de mode, il est le babachet, le numéro 1 actuellement. Et bon, il y a même des magazines qui l'ont nommé le mec le plus stylé et tout, en tout cas, donnez vos avis par rapport à cette situation, c'est-à-dire Jules Koundé qui foule le sol, bien sûr, de ses aïeux. C'est vrai que les commentaires d'hier commençaient pas à fuser hein, sur Facebook. Les gens ont commencé pas à dire leurs choses. Voilà le petit Papa Noël que le peuple attendait. Celui-là descendra à nom du ciel, main de l'Espagne avec des vêtements de mode pas mêlés. À le voir ces derniers mois. Le gars a un veste. Le gars est un vestimentologue. Ouais, ce que je disais. Et des commentaires encore pour aller à EIA ou bien, c'est-à-dire, bon, il y a un show actuellement au Bénin, c'est là, c'est là-bas qu'on reçoit les stars à coups de millions. Vous voyez, c'est, ils sont en train de créer des similitudes par rapport à cet événement. En tant que Barcelonais, je serai bien sûr à l'aéroport à partir de 10h avec son maillot. On veut pas voir Madrilène là-bas. Hein. Les Barcelonais ne veulent pas voir les Madrilènes de l'autre côté de l'aéroport. Cardinal Bernard Gantin, bienvenue dans les commentaires. Je vous sais quoi et tout, Fanta, Bissap, Coca, eau, champagne. Celui-là, il est venu divaguer un peu. Il est le fils du pays. Un père ne refuse pas son enfant. La nation béninoise lui souhaite la bienvenue. Il était au Sénégal ce 23 décembre et a visité le centre de formation qui est en partenariat avec le FC Barcelone. Ah bon? C'est-à-dire que Jules Koundé était au Sénégal. Hein. Voilà l'information qu'on a eu en commentaire. Ça veut dire qu'il était au Sénégal et il sera au Bénin. Mais qu'est-ce qu'il va faire, bien sûr, pour le Bénin? Il faut que cette visite de Jules Koundé soit, bien sûr, profitable pour la terre béninoise. Est-ce que Jules Koundé va implanter un centre de formation ici? Est-ce que Jules Koundé va visiter les grands centres de formation, bien sûr, du pays? Qu'est-ce que Jules Koundé fera? En tout cas, je serai très ravi de vous lire en commentaire par rapport à l'arrivée de Jules Koundé, le babachet Jules Koundé. Et je serai très ravi de vous lire. Donnez vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Je reviens tout à l'heure pour d'autres informations. Maintenant, la grosse opportunité que je partage avec vous, le chômage n'existe plus aujourd'hui. Pour ceux qui veulent faire du contenu et gagner de l'argent avec YouTube, un seul numéro, plus 229 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre adresse mail aussi est en commentaire épinglé et en description. Maintenant, si vous voulez intégrer notre groupe WhatsApp, c'est en commentaire épinglé et en description aussi. Donc voilà, voilà l'information concernant Jules Koundé. Et prenez votre formation YouTube chap-chap, vous allez faire des contenus sur YouTube et gagner de l'argent facilement. Notre formation est disponible, on est en promotion actuellement. Donc courez rapidement pour prendre la formation. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. C'était moi. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. De 3 en 1, l'URES premier, votre sud-ouest des finances du foot business et de l'industrie musicale. Ciao.